السلام عليكم، مرحبا بكم انوفو في هذه الفيديو اللي حنا نعملوهم اونصوم سور ليستوار دو تلمسان pour discuter pour réfléchir autour de quelques événements historiques qui ont marqué l'histoire de la dynastie Ziyanide et l'histoire de Tlemcen. Et avant tout, j'aimerais vous souhaiter عيدكم مبروك وان شاء الله الذنب مغفور وصيام مقبول وصلاه مقبوله ان شاء الله. اي عقبال عام جي عاود يدخل علينا رمضان مسكين بالهنا والصحه. كوم دابيتود كلكو كيسيون افون دابوردي لو سوجي دوجوردي كي كونسير لو دوزيام سياج ميرينيد اي تلمسان سو دوميناسيون ميرينيد باسكو فا تومبي انتر لي مان دو سلطان ميرينيد. دونك اون كيسيون كي ما ايتي بوزي سيتي سور ان بلان تاع المنصوره. سي ان بلان كي ايتي في فير لي 1872 par Edmond Dutoit sur la mosquée de Mansoura. Donc on m'a dit si je peux fournir quelques informations ou quelques détails sur ce plan. Alors ce plan, il ne s'agit pas du plan original, le plan qui a été pris sur place. Donc c'était un plan de restitution parce que Edmond Dutoit, comme je l'ai déjà dit, pour ceux qui ne le savent pas, c'était un architecte originaire d'Amiens. Il est venu en France pour régler, il est venu en Algérie, plus précisément à Tlemcen, pour régler un conflit entre l'administration coloniale et les Tlemceniens, parce qu'ils n'étaient pas d'accord sur le plan d'aménagement, le nouveau plan d'aménagement de la ville qui stipulait qui envisageait de détruire quelques monuments de Tlemcen, dont une partie de la grande mosquée de Tlemcen. Donc les mouftis n'étaient pas d'accord, ils se sont plaints auprès du ministre de l'Intérieur à l'époque, où il a dépêché cette personne, Edmond Dutoit, pour venir sur place pour mesurer l'impact, là, pour donner plus de détails sur ça. Donc lui, il a visité quelques monuments de Tlemcen dans Al-Mansoura. Et il a remarqué qu'on devait sauver le minaret en faisant une petite reconstruction, si vous voyez bien, c'est derrière, afin de consolider le minaret. Et il a fait une prise de plan, mais ce n'était pas le plan original parce que c'était un plan qu'il avait proposé de restitution. C'est exactement comme celui de Al-Madrasa Tchfinia, sauf que les gens pensent que ce plan était le plan original, mais ce n'est pas vrai. Donc ça, c'est une question. La deuxième question, c'était sur le dialecte, que pourquoi Razawat a le même dialecte que Jijel. Donc j'aurais aimé garder cette idée ou ce sujet. Je vais faire une vidéo sur le dialecte, mais je vais donner une petite information à la personne qui m'a posé cette question pour lui dire que ce sont des familles qui sont venues de l'Andalousie, plus précisément sur les côtes de l'Afrique du Nord. Donc elles avaient le même langage. Et surtout que, si vous remarquez bien que Razawa, donc c'est une ville portuaire, donc le Jijel c'est une ville portuaire, donc ça veut dire qu'elle accueillait des gens. Donc ce langage a été préservé dans ces deux villes. Ou là, des fois, il y a des personnages ou des familles qui se déplacent d'une ville à une autre et qui ramènent avec elles le langage et qui a été préservé au cours du temps. C'est un héritage très important de la région de l'Algérie et qu'on devait aussi préserver ou là plus l'étudier ou là tracer son histoire. Donc l'autre question aussi, c'était sur, parce que j'ai parlé qu'après la fin du siège, Abou Hamoud Moussa Ier, il a pris les rênes à Tlemcen et c'est lui qui a relancé le commerce tlemcenien. Donc une personne, elle m'a demandé de fournir un petit détail sur ça. Donc ça, je l'ai trouvé dans un article qui s'appelle Tlemcen, capitale du Maghreb central, par Laoulès, qui l'avait écrit. Et là, il dit dans la page 61, et c'est très intéressant parce qu'il s'agit d'une traduction de Ibn Khaldoum, il dit, nous savons qu'en 1328, 20 navires environ quittaient Majorque pour les ports de Abd el-Wadid et il y avait des traversées régulières. Au moins une fois par mois, entre Majorque, Valencia, Barcelone, Oran et Ronay, et les petits ports du Maghreb central. Donc il y avait, il y avait 1328, il y avait 20 navires qui ont quitté, c'est-à-dire pour ramener de la marchandise, pour commercer avec l'État ziyadite. Donc selon les documents assemblés par un certain Dufour, ça vous trouverez la référence, elle est disponible sur Internet, 150 navires catalans débarquèrent dans les ports abdelouadides en 1308 et 1331, 150. Donc ça veut dire 1308-1331, c'était après la fin du siège. Donc après la fin du siège, il y avait un enrichissement du commerce, donc grâce à Abou Hamoud Moussa Ier. Alors, donc ça veut dire beaucoup. Sinon,
La majorité de ces navires firent certainement plus d'une traversée d'un port du sultanat à un autre. Et le chiffre n'inclut pas, bien entendu, les navires Abdelwadid ou les navires appartenant à des Italiens, des Castillans ou à d'autres États chrétiens. Donc ça, c'est que les navires à Majorque, donc les îles Baléares, donc 150, donc c'est beaucoup, c'est énorme. Donc ça veut dire que le commerce, ça marchait très bien, donc le business, ça fonctionnait très très bien, et surtout, ça illustre les bons rapports entre le sultanat ziyadite et les autres États, bien qu'ils soient chrétiens. Et bien entendu, c'est que c'était à cette époque où le royaume de Grenade, qu'embarquerait le royaume de Grenade en Andalousie, donc il ne faut pas l'oublier. Donc selon des estimations modérées, les exportations catalanes à Tlemcen à la fin du XIIIe siècle se montaient à 35 000 dinars. Et au début du XIVe siècle, cette somme s'élevait à 100 000 dinars. Donc c'était donc au début, ça veut dire pendant le siège, il y avait quand même un petit peu de commerce. Ça prouve aussi comme quoi, bien que l'État zianide était assiégé par les Mérinides, mais il y avait un petit peu de commerce et qui s'élevait à 35 000. Alors qu'une fois le siège fut levé, donc là, le chiffre a grimpé à 100 000, ce qui correspond à peu près à trois fois le montant du l'or enregistré lors du siège. Alors, donc, on va continuer aujourd'hui le sujet, on va continuer l'histoire, et aujourd'hui, on va traiter le deuxième siège de Tlemcen. Donc, la semaine dernière, donc, je vous ai exposé la vie d'Abu Hamoum Moussa Ier, puis la vie d'Abu Tishfin Ier. Et là, un événement va bousculer Tlemcen parce qu'elle va être à nouveau. Elle va être à nouveau assiégée et cette fois-ci le siège va fonctionner parce que Tlemcen va tomber entre les mains des Mérinides. Elle va devenir sous la tutelle des Mérinides et la dynastie Ziyanide des Kadjakom, elle va s'effondrer. Donc juste un petit rappel pour ceux qui n'ont pas suivi la vidéo de le premier siège. Donc une fois Abu Ya'qub fut tué, donc c'était son petit-fils Abu Thabit qui a pris les rênes et c'est lui qui a négocié avec Abu Hamoum Moussa la fin du siège. Ça veut dire que il fallait rendre les terrains aux Ziyanides et qu'il fallait que les Ziyanides ne détruisent pas le Mansour. Donc le sultan Mérinide rappelé précipitamment dans le Maghreb pour y réprimer un soulèvement, se hâta de repasser la frontière avec toute son armée. Au moment de quitter le Mansoura, il changea un de ses vizirs de présider, il chargea un de ses vizirs de présider à l'évacuation de cette place, c'est-à-dire le Mansoura. Donc, outre une nombreuse population, quantité de magasins remplis d'approvisionnement et un matériel de guerre considérable. Les habitants partirent successivement, classe par classe, et se retirant lui-même, le vizir laissa la place tout à fait vide. Donc Abu Thabit acheva de remplir ses engagements envers son nouvel allié, le sultan de Tlemcen, en lui rendant toutes les villes du Maghreb central, ainsi que le pays des Toujines et des Mraoua. Donc c'est ce que j'ai dit la dernière fois lors de ma vidéo. Donc là, je vais vous citer l'article que j'ai écrit sur ce deuxième siège de Tlemcen et pourquoi ce siège a été imposé à nouveau à Tlemcen. Donc ces événements, donc comme on l'a dit, se passaient dans le courant de Dhul-Qa'dah au 706 Hijri, ce qui correspond à mai 1307. Donc après ça, c'était Abu Hamoum, il est venu. Tlemcen voit cette année de paix succéder aux sept années de guerre qu'ils l'ont si rudement éprouvée. Les Abdelwadid ou les Ziyanides se maintiennent vis-à-vis des Mérinides sur pied, les alliés infidèles, jusqu'en 714, ce qui correspond à peu près à 1314-1315. À cette époque, le sultan Mérinide Abu Saïd donc, et le sultan Ziyanide Abu Hamoum Moussa Ier règnent à Tlemcen. Donc, un il règne à Fès et l'autre il règne à Tlemcen. Donc, Abu Hamoum, qu'est-ce qu'il va faire? Il va faire la bêtise, exactement la même erreur que son père, Uthman. Ça veut dire, commettant la même faute politique que son père Uthman et au risque de s'exposer
aux mêmes représailles mécontentes de son allié en donnant asile dans sa capitale à un chef de révolté dont le sultan Mérinide réclame vainement l'extradition. Donc il a fait la même erreur. Donc il y avait une révolte qui s'est déclenchée dans le sultanat Mérinide. Donc le chef de ces révoltés, qu'est-ce qu'il va faire? Il vient chercher refuge chez le sultan Nazianide qui était Abu Hamam Musa. Et selon les règles de l'hospitalité, donc il pouvait pas Abu Hamam pouvait pas le faire l'extradition, là il pouvait pas le livrer au sultan Mérinide. Donc Abu Saïd, donc le sultan Mérinide vient réclamer, il lui a dit livre-moi le révolté, donc Abu Hamam Musa mahabsh. Donc Abu Saïd, pour tirer vengeance de cette perfidie, donc qu'est-ce qu'il fait? Il fait une intrusion sur le territoire de Tlemcen. Il assiège inutilement Oujda, parce que je l'ai dit que Oujda faisait partie du territoire de Tlemcen, dévaste les campagnes et se replie précipitamment sur le Maghreb. De graves embarras à l'intérieur de son empire le forcent à faire ou à taire son ressentiment et de temporiser avec sa vengeance. Donc ça, c'est ce qui s'est passé. Donc lui, histoire de un petit peu provoquer le sultan Abu Hamam Musa Ier, donc il va rentrer, il va essayer de conquérir quelques territoires de Tlemcen et notamment Oujda, mais il ne va pas réussir. Donc il fallait attendre 15 ans plus tard, c'est-à-dire en 730, en 1329-1330, que ce même prince reprend ses vues sur Tlemcen. Dans le but d'écraser plus sûrement son ennemi, il conclut un traité d'alliance, de paix, avec le sultanat de Hafsid Tunis. Donc lui, qu'est-ce qu'il a fait? Donc il est parti signer ce traité de paix avec le sultanat de Hafsid, afin de s'effarer mieux le sultanat Ziyanide. Alors, mais ce qui se passe, c'est que donc il va un peu provoquer le sultanat Ziyanide. Mais ce qui se passe, Abu Saïd, c'est-à-dire le Abu Saïd, le roi, le prince ou là le monarque Mérinide, donc meurt cette même année, c'est-à-dire en 1330. Et il n'a pas pu réellement tenter l'entreprise, ou là il n'a pas pu mettre en action ou là mettre en application son projet, à savoir d'assiéger à nouveau Tlemcen et la mettre au chaos. Donc c'est son fils, le successeur. Donc son fils, le successeur de Abu Sa'id, il s'appelle Abu Hassan Ali, qui hérite à la fois de la puissance des Mérinides, mais en même temps des projets de son père. Donc, qu'est-ce qu'il fait à Abu Hassan Ali? Donc, il va se focaliser sur Tlemcen et il va assiéger Tlemcen. Il va continuer ce que son père a voulu faire. Donc, il veut frapper au cœur de la souveraineté des Ziyanides et ne l'attaquer qu'un coup sûr. Donc, il temporise pendant 5 ans, ça veut dire de 1330, en 1330, donc là, il va temporiser 5 ans jusqu'à 1335. Donc, ça lui a permis de réorganiser son armée, de mettre au point ou là, d'accumuler un maximum de force afin d'avec un seul coup mettre à genoux Tlemcen. Donc, ainsi, il dispose donc 5 ans et dispose ainsi lentement les préparatifs d'une formidable expédition qui devait rappeler celle de son père ou la celle de Jdo qui était Abu Yaqub le premier entre 1299 jusqu'à 1307. Donc je récapitule. Donc Jdo, Abu Yaqub, donc il a assiégé Tlemcen en 1299 jusqu'à 1307. Donc après j'ai Abu Hamam Musa Ier, et après pendant ce règne donc Wild Hadak, donc Abu Sa'id, donc il a voulu htahwa assiéger Tlemcen parce qu'il a fait la même bêtise que son père Uthman ibn Yarmolas ibn Ziyad, sauf que manjahch ou mat en 1330. Donc j'ai Wild Hada Abu Sa'id qui s'appelle Abu Hassan Ali, et c'est lui là, il a voulu assiéger à nouveau Tlemcen, mais pour cela il a temporisé 5 ans afin d'accumuler un maximum de force, afin de mettre en place une bonne stratégie et en finir avec Tlemcen une fois pour toutes.
Donc, vers la fin de l'année 735 l'Hégis, ce qui correspond à août 1335. Donc, Abu al-Hassan, qui était surnommé par certaines références historiques le sultan noir, donc, ouvre résolument la campagne. Donc là, il déclare la guerre au sultan azianide et il décide de se présenter aux murailles de Tlemcen afin de l'assiéger. Donc, pour cela, il avait une stratégie, exactement comme la stratégie de son grand-père. Donc, les premières, Oujda, c'était la première ville qui tombe entre ses mains. Puis, il prend Androma. Donc, après, il va conquérir tout le territoire de Tlemcen. Et il prend position au niveau de Al-Mansoura et commence l'investissement de la place de Tlemcen. Donc, à cette époque, rappelez-vous que c'était Abu Tishfin Ier, le sultan artiste qui était le monarque de Tlemcen. Donc, le fils d'Abu Hamou Ier. Donc, lui, il était un artiste, il était jouisseur, il aimait les arts et l'architecture, mais il était aussi un guerrier plein de rudesse et d'une bravoure sauvage. Il se prépare à une vigoureuse résistance. Abu al-Hassan, après l'avoir complètement cerné dans la ville, et coupé toutes ses communications avec l'extérieur. Donc là, il l'a cerné. Donc, Abu Tishfin, il ne peut plus bouger. Là, il est coincé. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Abu al-Hassan, il commence les attaques proprement dites. Et là, il détache ses meilleurs officiers à la tête de fortes colonnes pour parcourir dans un rayon étendu les contrées soumises à la domination Abdelwadid. Donc, de Mansoura est devenu, c'est comme s'il est devenu le centre névralgique, ou là, le centre où il décide des attaques contre Tlemcen. Et il avait raison, Abu Hamou Moussa Ier, c'était pendant ce règne qu'elle a été détruite avec Mansoura la première fois, parce que il savait très bien, dans le traité de paix, le maître Khalbush Mansoura, même ça, il savait très bien, Abu al-Hassan al-Adi, quand le maître Khalbush Mansoura, que ce soit les Mérinides ou d'autres dynasties, qu'elle a mis en Aoudouji pour conquérir Tlemcen. Et exactement, ces prédictions, donc, se sont avérés justes. Donc cette tactique, Abu al-Hassan Ali al-Mansoura, il décidait ou il guidait des campagnes contre Abdelwadid. Elle avait un plein succès. Dans l'espace de quelques mois, les Toujin, les Maghrawa, Waharan, Tnis, Al-Jim, tous les points principaux et centraux de Tlemcen donc sont devenus sous domination mérinide. Cependant, le siège continue sans interruption. Donc, juste pour, entre guillemets, le siège il va durer 20 mois, 2 ans. Donc, Abu al-Hassan al-Ali, il était comme un lion qui guettait sa proie. Il ne se laissa pas se passer un jour sans inquiéter son ennemi, à savoir Tlemcen. Il gagne du terrain et se rapproche de plus en plus de Tlemcen. Alors, il fait construire des tours assez élevées. Donc, ça, donc vous voyez, Kamel a dit que le Kitchim Jethariad, Jeth Boudran, a dit que la partie Kamel, elle a été reconstruite par Abu al-Hassan Ali. Wesloh tel Babrachmis, Wesloh tel Babrachmis, voire un peu plus loin, parce que là, afin d'étouffer au maximum Tlemcen. Parce que Tlemcen, maintenant, elle est au milieu, elle ne peut plus bouger, elle est figée, elle n'a pas de communication avec l'extérieur. Donc, le siège est encore plus brutal que le premier. Donc, il fait reconstruire des tours assez élevées pour dominer le rempart de Tlemcen et du haut de ces édifices, ils emploient les catapultes, donc le manjanir. Donc, le manjanir fait les tours, ils commençaient à attaquer Tlemcen. Avec, donc la pierre de Al-Manjanir, je pense la boule de Al-Manjanir, elle pèse à peu près 130 kg. Il y a quelques-unes dans le musée de Tlemcen. Allez-y, prenez votre famille, prenez vos enfants à Béhou pour qu'ils voient l'histoire de Tlemcen, pour qu'ils puissent un petit peu interagir et aimer l'histoire et commencer à lire l'histoire de leur ville. Donc, ils commençaient à attaquer Tlemcen. Donc, Tlemcen avec le Manjanir, les catapultes. Donc, ils n'arrivaient plus à résister les Tlemceniens. Donc, Abu al-Hassan, il a mis un coup très fort au royaume de Tlemcen. Abu al-Hassan, exalté par ce succès, sert la place de plus près, assiège les assiégés et assiégeants pleins d'une égale ardeur.
on vient à en mesurer. Face à face, l'armée blanche de Abul Hassan Yazid n'hésite plus, il donne l'assaut de plusieurs côtés et à la fois, et au bout de quelques heures, les efforts surhumains des défenseurs de la place venant se briser contre l'élan irrésistible des guerriers mérinites, Tlemcen, enlevés de vive force, tombent au pouvoir d'Abul Hassan. Donc, Aya ou Tlemcen, ils ont essayé de se défendre, ils ont essayé de résister, mais ils ont résisté, ils avaient de la bravoure. Abou Tchéchfine, il a résisté, lui, et c'est, comme on va voir ce qui va leur arriver. Donc, ils ont résisté, ils ont essayé de sauver Tlemcen, mais malheureusement, la puissance d'Abou Hassan a été beaucoup plus forte. Et Tlemcen tombe entre les mains des Mérinites. Et ça, ce grave événement se consommait le 27 Ramadan, comme par hasard, les lettres Qadr 737, ce qui correspond le 1er mai 1337. Donc, le siège a commencé en 1335, il a été terminé, achevé en 1337. Donc, en gros, c'était grosso modo, c'était en 2 ans. Tout le siège a duré 2 ans, et ce qui a permis au sultan de rentrer à Tlemcen à la tête de son armée, qui fait une entrée triomphale dans la capitale vaincue, et il ne pénètre que sur des cadavres apparemment. Il se dirige vers le mouchoir où devait se jouer la dernière scène de ce drame héroïque. Donc ça c'est à peu près quand le déroulement du siège, en gros, de manière très très brève et sommaire. Donc Abou Tchéchfine, donc là Abou Tchéchfine, il était où? Il était isolé dans le mouchoir. Parce que le mouchoir, donc c'était le hukm. Donc j'ai oublié la semaine dernière la vidéo, j'ai dit que Abou Tchéchfine a construit 3 palais, donc j'ai parlé Qasr Surur, Qasr Abi Fihr, ou Tianik, Qasr Ziyani, ماشي هذاك اللي عملوه dernièrement 2011, هذاك c'est même pas un palais, mais vous imaginez très bien que le palais Ziyani qu'Abou Tchéchfine a fait est beaucoup plus beau, beaucoup plus somptueux, ça n'a rien à voir avec cette espèce de, je ne sais même pas comment je peux l'appeler, qui a été reconstruite, mais qui a été faite sur le palais Ziyani. En tout cas, donc Abou Tchéchfine, entouré d'une poignée de braves, demeurait fidèle à sa mauvaise fortune, donc attend le vainqueur de pied ferme à la porte de la citadelle al-Mouchoir. Donc, écrasé par le nombre, il succombe et ses malheureux compagnons avec lui. Et apparemment, il y a même ses enfants. 2 de ses enfants ont été tués lors de ce dernier rempart ou là, lors de cette dernière tentative de résister au sultan mérinide. Mais malheureusement, Abou Hassan, il était plus fort, il était mieux organisé, ce qui a provoqué la chute de la dynastie Ziyadide. Mais ce sera une chute temporaire parce qu'on va le voir prochainement que cette dynastie, elle va renaître, elle va réapparaître à Tlemcen et elle va reconquérir sa capitale. Donc, leurs têtes ont été tranchées par le sabre, promenées sanglants trophées à travers la ville. Donc, la confusion, elle était générale à Tlemcen. Donc, vous imaginez comme ça, le roi, le sultan mérinide rentrait à Tlemcen. Donc, les gens, ils étaient bouleversés, ils étaient déboussolés. C'est une scène très difficile à accepter parce qu'ils vivaient une période de paix. Ils venaient de sortir d'un siège encore en 1307 et là, ils retombent encore dans un nouveau siège. Donc c'était vraiment fatigant, c'était épuisant, j'imagine, pour la société, la population tlemcenienne. Donc là, il a dit Ibn Khaldoun, il dit le passage qui donnait entrée dans la ville du côté du couchant et qui avait une porte à chacune de ses extrémités, c'était Bab Qshot. Bab Qshot, elle est devenue Bab Fes, l'imjet le rond-point en médecine. S'emplit de cadavres à un tel point qu'à peine pouvait-on passer sous la voûte. Donc le passage qui donnait entrée dans la ville du côté du couchant et qui avait une porte à chacune de ses extrémités s'emplit de cadavres à un tel point qu'à peine pouvait-on passer sous la voûte. Donc Abou Hassan, n'était pas le genre de monarque qui voulait absolument détruire l'identité ziyanide.
C'est-à-dire il n'a pas rasé Tlemcen et reconstruire une nouvelle Tlemcen à l'image des Mérinides. Non, c'était une personne ou un sultan très. Il avait un cœur généreux en tant que brave, cédant non point à son propre mouvement qu'aux supplications des deux muftis de la ville. Il ordonne la cession du pillage et met un terme aux violences exercées sur les habitants. Donc, le second siège, il a duré 20 mois. Donc là, les gens disent, oui, donc les Mérinides, Dakhlou, qu'est-ce qui s'est passé, etc. Donc, Tlemcen n'a pas regretté leur domination passagère parce qu'ils travaillèrent à embellir et ils laissèrent quelques très, très beaux monuments. Exactement. Donc, ils vont nous laisser Sidi Halloui, par exemple. Ils vont nous laisser Sidi Boumedien, donc bien sûr, le Mansoura. Donc, c'est vrai, politiquement, ou l'achèvement temporaire, ou la fin de la dynastie Zianide, qui va. Zama, c'est vrai, c'est malheureux, c'est, ça, politiquement parlant, Zama, ce n'est pas, on va dire, très beau à subir, si j'ose dire, mais n'empêche, les Mérinides. Ils vont investir Tlemcen et ils vont en plus ils vont l'embellir. Donc rappelons aussi le Madrasa Tchfinia, elle a été détruite en partie au cours des Mérinides, mais eux ils vont la reconstruire, ils vont la rénover ou là ils vont la sauver ou là ils vont la restaurer. Et là c'est une question très importante parce que beaucoup disent que le Madrasa Tchfinia, oui c'est Ziyanide, mais vu qu'elle a été restaurée au cours du deuxième siècle, donc probablement elle a été restaurée par des mains marocaines. Mais ce n'est pas vrai parce que les photographies prouvent comme quoi, si vous voyez les photographies bin Madrasa Tchfinia et le Madrasa Al-Abbad, vous allez voir qu'il y a une différence. Et que vu que le Madrasa Al-Abbad a été fait par les Mérinides, donc je ne vois pas pourquoi le Madrasa Tchfinia vont la restaurer, mais d'une manière différente. Donc ça veut dire que le Madrasa Tchfinia a gardé sa marque ou là, l'empreinte d'Yanide, alors que le Madrasa Al-Abbad a dit que c'est 100% Mérinide, bien que les ouvriers ou là, les mains ouvrières étaient principalement à Tlemcen. Et ça, on aura l'occasion de parler de ça prochainement. Donc Abul Hassan il va s'installer, mais une fois la conquête est terminée, donc c'était une grande victoire pour Abul Hassan. Oui, j'aimerais ouvrir une parenthèse. Donc les Mérinides ils sont de la même fratrie, donc ils sont des Mérinides des Zianides, ils sont de la même fratrie, donc ils descendent de Znatan, mais ils étaient dans le même endroit, mais l'endroit est que nous les jouons l'Algérie. Donc, au cours, comme dans les vidéos, donc, au cours des mouvements, tu as les tribus, tu as Banu Hilal Kija, où ils ont poussé les tribus. Donc, les Zianides, ils ont choisi de s'installer le sud à Wahran, donc Tlemcen et le Sahara, un petit peu Bouchar et tout, jusqu'à Zab. Alors que les Mérinides, ils ont ils voulaient un peu se détacher à l'Al-Mouhidoun, donc au Mouhidoun qui est de Marrakech, donc ils se sont installés. Donc ça, c'est une parenthèse. Donc Abul Hassan, une fois il a eu cette bataille, ou là, une fois il a gagné ce siège, donc on va l'appeler Al-Mansour Billah. Donc on va l'appeler Al-Mansour Billah, ou là le victorieux par la grâce de Dieu. Donc qu'est-ce qu'il fait? Quelles étaient ses premières... Donc c'était un événement majeur parce que son grand-père, il a échoué à assiéger Tlemcen et lui, il l'a eu. Donc c'était une très belle prise. Tlemcen, elle était très convoitée par ses ennemis. Donc il fallait l'avoir. Donc il a fait preuve d'une intelligence. Il va restaurer tout ce qui a été détruit à Tlemcen, mais aussi il va restaurer Al-Mansoura. Donc il va restaurer Al-Mansoura, il va finir ou là il va reformer ce qui a été détruit par Tlemcenien et ce qui n'a pas été fini par ses ancêtres. Donc la dynastie finalement Mérinide, donc lui il va choisir le Mansoura pour s'installer, il ne va pas choisir les Zianides, le Mashwar. Donc ça c'était une stratégie aussi, c'est non seulement pour continuer sur la même lignée, ou là pour continuer sur la même ligne, pardon, de son père, à savoir le Mansoura, Jiddou Liam le Mansoura, mais aussi pour se détacher, et aussi c'était une façon de,
qu'on oublie d'une façon pour lui, ou là, historiquement parlant, باش ننساو تلمسان باش نبقاو نحضروا غير على الرسول. Donc la dynastie Mérinide, donc elle va régner sur Tlemcen et donc sur le Maghreb dans, donc de 1337 jusqu'à 1359, donc à peu près 22 ans Hegda, jusqu'à ce que il va avoir un événement tyannique. Donc après Abul Hassan, c'est Abu Inan Faris, c'est lui qui va prendre les rênes à Tlemcen, donc c'était les rênes à Tlemcen, et il va être assassiné. Il va avoir une révolte qui va se déclencher sur place. Et là, les tribus nomades, les tribus amazirs, ils vont tout faire pour chasser les Mérinides de Metlemsen et remettre le sultanat Zianide, Falmouchouar, et celui qui va succéder, ou celui qui va prendre la place. C'est le sultan Mérinide, donc il sera un sultan Zianide et qui s'appellera Abu Hamou Moussa II. Et ça, donc nous allons aller la prochaine fois, Inch'Allah. Alors, ça c'est à peu près un résumé, le deuxième siège de Tlemcen. Il était court par rapport au premier, évidemment. Donc la majorité des descendants Zianides ont été assassinés, dont Abu Tishfin premier et ses deux enfants, ou l'Hashiyan Ta'o. Donc, qu'est-ce que je peux dire? Oui, alors, qu'est-ce qu'on peut dire de plus? Donc, brièvement, je m'attends au Tchalikum. Donc, l'armée française. L'armée française qui jette, donc la première photographie de Mansoura date de 1854. Donc, c'était un photographe français qui a été envoyé en mission à Tlemcen. Donc, il a pris le Mansoura en photo. Et là, donc, le Mansoura avec un beau minaret. Donc, je rappelle que avec la mosquée de Mansoura, c'est pas l'unique, parce que celui de Al-Msila, pareil, bien, il y a un flax à côté de Al-Mihrab. Déjà, c'est une nouveauté. Deuxièmement, c'est que la porte d'entrée, mais j'ai fous le minaret, tannique. Donc, et on pense qu'avec la porte d'entrée, n'est les strom le minaret, donc c'était une porte royale, mais c'est maintenant qu'un troll, alors que les salles et tout, c'était de part et d'autre, ça met des murailles. Et tannique, donc certains disent que c'était plus une tour aussi, le minaret, il a été utilisé comme une tour de contrôle. Possible, Zama, c'est normal, Zama des minarets qui avaient un kubar, donc ils n'avaient pas une utilité juste pour l'appel à la prière ou l'adhan, mais ils avaient aussi une utilité peut-être stratégique ou là pour contrôler. Tianik, c'était un monument qui ressemblait beaucoup à la Kheralda, ou là, le minaret à la grande mosquée de Séville. Voilà. Alors, en 1800, donc j'aimerais vous rappeler quelque chose. C'était un chapiteau qui a été trouvé sur place par le maire de Tlemcen. Donc oui, donc en faisant des fouilles, les Français, surtout Charles Brosselard, en faisant des fouilles sur le site, donc il a trouvé une inscription où c'était marqué ceci: Alhamdulillah Rabbil Alamin wa al-aqibatu lil-muttaqin amara bi bina' hadha al-jami' al-mubarak amir al-muslimin al-mujahid fi sabil Rabbil Alamin al-muqaddas al-marhum Abu Yaqub Yusuf ibn Abd al-Haq rahimahullah. Donc c'est là où on a associé hadik la mosquée de Al-Mansoura Abu Yaqub, ça veut dire au premier siège de Tlemcen. Et si vous voyez bien, si vous lisez bien, c'est marqué المجاهد في سبيل رب العالمين المقدس المرحوم أبو يعقوب المرحوم. Ça veut dire que le défunt. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que cette inscription, elle a été marquée après la mort. Donc ça veut dire au cours du deuxième siège. Donc là, ça c'est très important. C'est le choix des mots. Donc un mot, il peut nous donner. C'est-à-dire que كيجاهد أبو الحسن, c'est-à-dire حفيدو. Fait Abu Yaqub, Kija, il a voulu restaurer le Mansoura, il a restauré le Mansoura, mais il a respecté le travail de Jiddu. Ou Ktibha pendant le deuxième siège de Tlemcen, parce que c'était lui qui a mené le deuxième siège à succès. Donc, ça, c'est une remarque. Alors,
Oui, donc aussi, donc fait de la période, donc le propriétaire d'une habitation, donc au cours de la, pardon, excusez-moi, au cours de la colonisation française, donc vers 1800, en 1870 et 1880. Donc il y a eu des fouilles, mais parfois ces fouilles n'ont pas été très loin parce que il n'y avait pas assez d'argent. Mais bon, le propriétaire d'une habitation au village d'Al-Mansoura, Monsieur Jallot, maire de Tlemcen, ayant fait creuser des fondations dans un terrain voisin de ces ruines, découvrit à environ 2 mètres de profondeur au-dessus du sol un chapiteau en marbre, en X, d'un travail exquis. Il en a fait dans le musée de Tlemcen, parce que le musée. Le chapiteau, parce qu'il y avait une inscription très très importante historiquement. Donc il dit que. دوك الكتاب مكتوب فيها الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين أمر ببناء هذه الدار السعيدة دار الفتح عبد الله علي أمير المسلمين ابن مولانا أمير المسلمين أبي سعيد بن يعقوب بن عبد الحق فكملت سنة 45 و700 عرفنا الله خير عرفنا الله خيره. دونك سيتي سا سي تري امبورطون باسكو ان نو سينيال كوم كوا un palais, il a été mis en place, il a été construit sur le site Al-Mansoura où il s'appelle Dar al-Fatah. Ce qui suggère aussi que le roi Mérénide ne s'est pas installé dans le Mouchoir, mais plutôt dans le Mansoura, naturellement, ce qui était tout à fait parce que son grand-père l'a fait, donc automatiquement il s'installe là. Tanik Haja, que j'aimerais aussi vous informer dessus, c'était les maisons mérinides. Mais quand je bzaf des maisons, ce qui est étrange, Tanik, il n'y avait pas beaucoup de maisons mérinides. L'art mérinide, il ne s'exprime qu'au niveau de la madrasa, al-Ubbad ou le complexe Sidi Boumedine ou avec le Qasr Bint Sultan, et c'était plutôt un palais, les Juifs pour se reposer, pour se rafraîchir, parce qu'ils avaient une très très belle vue sur la plaine de Tlemcen, mais aussi c'est assez halloui. Donc c'est que ces deux-là où l'art mérinide s'exprime réellement et qu'on peut l'apprécier. Donc on peut se poser la question, à l'âge, les mérinides n'ont pas investi, les maisons n'ont pas investi dans d'autres bâtiments de Tlemcen. Ça, c'est une question qui reste en suspens, mais probablement parce qu'ils ont investi dans le Mansoura et ils pensaient que le Mansoura allait prendre le dessus à Tlemcen, mais finalement, ils n'avaient pas vu que Tlemcenien, ils vont remettre la dynastie Zianite en place via Abu Hamam Moussa II. Et on va nous parler la semaine prochaine, inshallah. Donc, merci beaucoup pour votre écoute. Matawouch alaikum, salam alaikum, saha aïdkoum, saha ramdankoum, parce que l'yom, c'est le dernier jour. Inshallah, on la semaine prochaine avec une nouvelle vidéo. Si vous avez des questions, envoyez-moi des messages privés, commentez, laissez-moi des commentaires sur les vidéos. Inshallah, je répondrai avec plaisir. Et en attendant, filaman et après la prochaine, inshallah. Salam, salam.